Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de battre un boss du cube dans les détours Fortnite. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans des anomalies de détour. Donc les anomalies de détour, c'est les petites failles, c'est les petits emplacements là. Donc c'est des détours représentés par des failles comme celle-ci que je vous montre à l'écran. Il y en a toujours trois qui apparaissent par trois. Donc là, il y en a une. Là, il y en a une ici et il y en a une ici. Dès qu'il y en a une qui disparaît, elle réapparaît automatiquement autre part. Donc bien entendu, avant de vous rendre dans ce détour, je vous conseille de vous stuff un maximum parce que vous allez devoir tuer un boss qui s'y trouve. Et franchement, il a quand même pas mal de vie. Et en plus de ça, vous avez un certain laps de temps pour le tuer. Donc cherchez à bien vous stuff avant de réaliser ce défi. Moi, je vais y aller à l'arrache. On va bien voir si ça marche. Mais je vous conseille pas de le faire. Alors il faut savoir qu'avec ces anomalies de détour, vous n'êtes pas obligatoirement censé avoir un boss. C'est possible que vous n'ayez aucun boss pendant tout le détour. Mais là, si vous n'avez pas de boss, il va falloir changer d'anomalie de détour, donc aller à une autre faille pour trouver un boss. Donc là, par exemple, je ne vois pas de boss. Mais c'est possible qu'il apparaisse après la deuxième coupe. Donc regardez, là, il y a trois coupes en haut. Le but, c'est de tuer les zombies avant que les coupes, avant que le temps soit imparti, enfin soit terminé. Donc là, je vois que j'ai qu'un coffre dans ce lieu, donc c'est pas ouf. Regardez là, j'ai encore 7 secondes pour tuer les monstres. Donc, je vais quand même en tuer pour voir si j'aurais pas eu le temps, dommage. Donc là, en tous les cas, dans cette anomalie de détour, je n'ai pas eu de boss. Donc je vais aller dans une autre anomalie. Donc, par exemple, je vais aller dans celle-ci. Regardez, celle où j'étais, elle a disparu ici. Et elle a réapparu là-haut. Donc à chaque fois, il y aura toujours trois emplacements d'anomalies de détour que vous allez pouvoir exploiter pour trouver un boss. Donc bien entendu, c'est un peu compliqué hein, parce qu'il faut bien être stuff. Et en plus de ça, les boss n'apparaissent pas dans tous les détours. Donc c'est un peu relou. Mais bon, il va falloir faire preuve de persévérance et de détermination pour réussir ce petit défi. Ok, donc là, je m'approche d'un autre détour. Et je vais retenter ma chance avec ce détour-là. Donc déjà, je vais prendre le coffre parce que j'ai pas vraiment eu le temps de me stuff. Là, je vois qu'il y a une machine de mort. C'est un très intéressant, je la prends. Là, regardez, ça, c'est un boss. Là, justement, ça, c'est un boss. Vous voyez, il y a la vie au-dessus. Elle s'affiche en orange. Et bien ça veut dire que c'est un boss. Après, il y a un autre boss aussi. Je pense que ça peut fonctionner aussi. C'est le boss qui s'appelle La reine du cube. Non, c'est pas la reine du cube. De toute façon, je vous montrerai comment elle s'appelle juste après. Je vais essayer de tuer les zombies parce qu'en fait, vous avez un laps de temps pour tuer les zombies. Hein. Et le boss, il a pas disparu, dites-moi. Moi qu'il a pas disparu quand même. Je ne le vois plus. Je ne vois plus le boss. Je suis sorti du détour et le boss a disparu. Donc ça, c'est un peu la merde. Hein. Ok, donc en fait, je suis sorti du détour. Le boss est sorti aussi. Mais en fait, quand un monstre sort du détour, donc de la zone, eh bien, il meurt automatiquement. Donc là, j'ai complètement foiré parce que j'aurais dû rester dans le détour et le tuer. Donc, il y a une autre possibilité de boss. C'est le boss qui s'appelle Assassin du Cube. Donc, c'est possible. Oula. Donc voilà, là, je me suis fait tuer. Mais c'est possible que vous ayez le boss Assassin du Cube qui apparaît dans le détour. Donc, c'est ce boss-là. Et quand il apparaît, ben, vous pouvez le tuer et normalement, ça validera votre défi. Normalement, le boss que je vous ai montré juste avant, si vous arrivez à le tuer, ça valide le défi. Et le boss assassin du cube, ça valide votre défi. Vous avez la possibilité entre ces deux boss-là. Donc, je vais quand même essayer de refaire une partie et d'essayer de trouver un des deux boss. Ok, donc c'est reparti. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à une anomalie de détour le plus loin possible de tous les autres joueurs pour pas être gêné. Parce que ben, tout à l'heure, on m'a tué. Donc, c'est un peu rageant parce que j'étais quand même plutôt bien stuff. Pour une prochaine anomalie, parce que j'avais réussi à avoir un minigun des détours, j'avais une faux, bah, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et là, je recommence à zéro. Donc, essayez de choisir des anomalies de détours qui se trouvent un peu à l'extérieur des villes et pas où il y a plein de joueurs. Après, vous pouvez essayer de faire comme moi, hein, parce que à chaque anomalie de détour, il y a toujours un coffre, deux coffres, voire même trois coffres. Vous pouvez essayer de rentrer dans l'anomalie de détour, de prendre le coffre.
Et avec un peu de chance, bah, vous allez être bien, bien stuff. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive vers moi. Ça, c'est pas bon du tout. J'espère qu'il va pas venir me faire chier. On verra bien. Ok, donc c'est parti. Je rentre dans l'anomalie. Je cherche directement après les coffres. Hop, il y en a un là. Ok, ça me donne une faux. C'est pas vraiment ouf, hein, les faux. Hein. J'aime bien, meuf. Le problème, c'est que s'il y a des zombies empoisonnés, ben, c'est compliqué. Alors déjà, ici, pour l'instant, j'ai pas de boss. Mais c'est possible que le boss, l'assassin du cube, donc le personnage, arrive vers le deuxième trophée. Donc, vous voyez en haut, il y a une petite barre avec trois trophées. Et en fait, vous devez atteindre chaque palier. Oh, ben, regardez, j'ai tué un assassin, un boss. What the fuck? Donc en fait, les boss, ça peut être n'importe lesquels. Attends, c'est bizarre ça en fait. Hein. Je pense que leur défi est bugué, je pense. Parce que des zombies, comme j'ai tué, j'en ai tué blindé avant de réussir le défi. Et ça marchait pas. Donc je pense que le défi est bugué. Et si j'ai réussi à tuer un boss normal, un tout petit... Enfin, c'était un monstre, mais un peu plus balèze comme ça. Et ben, les monstres plus balèzes, ils comprennent ça comme des boss. Bah, c'est assez bizarre. Hein. Mais si c'est le cas, bah, vous pouvez en trouver carrément dans le gros détour que vous voyez ici. Hein. Donc, c'est le gros détour qui apparaît aléatoirement dans les villes, dans n'importe quelle ville. Donc, vous pouvez en trouver là. Ce que vous faites, ben, c'est que vous tuez tous les monstres jusqu'à temps que le défi se valide. Hein. Peut-être qu'il est bugué. Ou alors, ben, vous allez dans les petits détours comme ça et vous cherchez après des boss comme je vous ai montré avant. Peut-être que c'est ça les boss. Franchement, je sais pas parce que le défi s'est validé. Or que des monstres, j'en ai tué vraiment blindé. Ça fait une heure que j'essaie d'en tuer. Donc voilà, je comprends pas trop. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Même si elle n'est pas fort claire parce que le défi est bugué. Donc on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Mais apparemment, à première vue, moi ça a fonctionné avec un petit monstre de base. Donc enfin, un petit monstre pas normal mais... Un gros monstre un peu plus balèze comme ça. Un monstre balèze, mais pas un gros boss. Donc essayez de tuer plusieurs monstres balèzes pour voir si ça valide votre défi. Ou alors essayez de tuer carrément un boss dans les anomalies de détour. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.